Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme en ce dimanche de Pâques. Si, nous sommes dimanche de Pâques le 17, hein, il fait très 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 beau. Si, il fait très beau. Et donc, pour ce faire, je bosse. Si. Alors, mais entre-temps, j'ouvre le courrier. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des colis pour Pâques et tout ça. J'ai pas envie de les ouvrir à Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis trop pressée de savoir ce que vous m'avez envoyé. Ben si, j'étais trop pressée, tout ça, je suis trop contente. Ben si, j'ai droit, les cloches, elles sont passées déjà. Si, les cloches, elles sont passées. Ben Valérie, si. Ben j'ai des abonnés, moi, qui sont en chocolat. Si, ils sont à croquer. Ben si, ils sont en chocolat, ils sont à croquer. Si. Et en parlant de chocolat à croquer. Si. Eh ben, vous savez, je vous ai demandé comment ça s'appelait les collectionneurs de trombones. Alors, pas les trombones, non, pas celui qui fait de la musique. Non, pas celui qui fait de la musique, celui qu'on met sur le papier. Si, les paperclips, si. Alors, comme ça, là, en ouvrant mon colis, parce que Valérie m'en avait mis tout ça, là. Si, et donc du coup, je me suis posé la question, ah ouais, mais ça a un nom, si, tout a un nom, si. Et alors, comme vous êtes comme du chocolat à croquer, il y a Noisette qui m'a répondu, si, Noisette83, elle m'a répondu. Alors, elle m'a répondu, attendez, tenez-vous bien, je vous préviens, il faut vous asseoir. Hein. Alors, nous, les collectionneurs de trombones de paperclip, nous nous appelons, attendez, si, c'est hyper compliqué, Birofibuliste, avec un Y en plus, si. C'est archement dur à retenir, hein. Moi je ne me rappellerai pas d'ici tout à l'heure, hein. Birofibuliste, je ne me rappellerai plus. Moi je dis qu'on n'a qu'à s'appeler les trombonistes ou les tromboneuses. Je sais pas, on va se trouver un nom plus facile parce que moi, les mots compliqués comme ça, j'y arrive pas. Hein. Alors, je te remercie, chocolat noisette. Si, parce que c'est des abonnés à croquer en plus aux noisettes. Moi, j'adore ça. Je remercie, mais non, mais c'est trop difficile à retenir. Si, c'est trop difficile. Alors, pour ce faire, non, je remercie de m'avoir éclairé parce que je savais pas qu'on s'appelait comme ça. Si, c'est vachement intéressant. Si, c'est intéressant. Alors, pour ce faire, ça me gratte. Je crois que j'ai des puces. Si, j'ai des puces sur la peau, là comme ça. Si, j'ai des... Bah, si. C'est pas ma faute, quand même. C'est mon chat qui me les file. Si. Alors, donc... N'importe quoi. Alors, on y va. On continue à ouvrir le courrier parce que j'en ai beaucoup aussi. Alors, si, j'ai mis mon pull marin parce qu'il fait très beau. Si, ça va très bien, le marin avec... Si vous n'aimez pas, tant pis. Moi, j'aime bien. J'aime bien, quand même. Si, j'aime bien. Alors... Alors, bah c'est Pâques. Bah si, pas que, j'ouvre les paquets. Bah si. Alors, non, ouais, je sais, c'est nul. Allez, on y va. Alors, pour ce faire, je finis par... j'ai une autre abonnée qui vient de m'envoyer un message. Jocelyne, je crois. Oh, je sais plus. Elle vient de m'envoyer un message en me disant, bah, t'as pas dû recevoir mon colis. Mais j'ai dit dans la vidéo précédente que j'ouvrais que j'ai reçu les colis, j'ai reçu samedi, je sais pas ce qui s'est passé samedi, j'ai reçu tout un tas de courriers et donc j'ai dit tout à l'heure que j'ouvrais tout aujourd'hui, donc bah tout pour Pâques, si, bah si, hein. Donc je répète, quand je reçois j'ouvre tout de suite, mais comme ça me prend du temps parfois, vous savez, comme j'aime bien, bah si, je déguste le chocolat, moi je déguste, si. Si. Donc, du coup, comme je vous déguste, eh ben, je prends mon temps. Si, bah si. Et voilà quoi. Ah si, je prends mon temps, mais je... Voilà. Je m'appelle pas Signoret, mais... Ouais, je sais, c'est nul. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce faire, je commence, vous avez vu, je fais dégrader. Si, j'aime bien. Si, parce que c'est une petite carte pour Pâques. Je sens que c'est ça. Si. Et ça, c'est une grande carte pour Pâques. Et ça, c'est un chocolat de Pâques. Si. Je dis n'importe quoi. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour ce faire. Donc là, une petite carte ou une création ou je ne sais pas. Ou un échange. Je ne sais pas. Alors, ça me vient de Sylvie. Sylvie, scrapeur du cœur. Si. Ou pas. Si, scrapeur du cœur. Non, c'est parce que comme il n'y a pas marqué le HHH et tout ça, des fois, j'aime bien quand vous mettez parce que... j'aime bien parce que j'ai pris des notes sur moi. Si, noisette.
C'est vrai que noisette, en fait, si parce que noisette, là j'y rebouille, mais en fait noisette c'était le prénom de ma précédente chatte. Si, j'avais une petite chatte tigrée adorable. Elle était tigrée et était tigrée marron et tout ça, et je l'avais appelée noisette et je la surnommais Nounoun. Si, c'était ma Nounoun. Si. Mais son vrai prénom, à la base, c'était Noisette. Bon, elle s'en foutait, hein, parce qu'elle répondait à tous les prénoms. Hein. Si elle faisait Mimine, je faisais tout. Elle répond à tout, si. En fait, ils répondent à la voix, quoi, si. Et donc, c'était son prénom. Hein, c'est un signe, hein, c'est marrant. Ça me fait penser à elle, parce que c'était un amour. Si, oh là là. Ah, elle me manque beaucoup. Enfin, bref. Ah, alors, voilà, donc c'est parti. Alors là, c'est Sylvie, j'ai dit. Oui, Sylvie. Alors, on y va. Alors j'aime bien parce que Sylvie, elle a mis le tam dans les vagues. Vous voyez, il flotte. Si, il flotte, regardez. Ah bah si, regardez, il y a des vagues et le timbre, eh bah, il a flotté. Et puis, hop, il coule, il est en train de couler dans les vagues. Si, c'est ça, j'en suis sûre. Si, ils l'ont tamponné, ils ont mis Nomeka, ils l'ont fait flotter le timbre. Si, il penche. Voilà, pour ce faire. Donc, alors, une... Oh, c'était tout mignon! Oh, j'adore! Oh, c'était trop mignon! Oh, c'est une petite carte de Pâques. Je m'en doutais un petit peu que c'était une carte de Pâques. Hein. Oh, mais c'est adorable. C'est fait avec les dailles de chez Action. Je suppose que c'est les grands dailles. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait des petits lapins. Regardez comme c'était tout mignon ce qu'elle a fait. Oh, j'adore. Avec les petits œufs cachés dans l'herbe et tout ça. Les petits lapinous. Ah, j'adore. Ah, c'est excellent. Et puis, elle a fait des découpes d'herbe dans du papier pailleté. Ça rend super bien. Ça rend super bien hein, dans le papier pailleté, là. J'adore ta petite carte, elle est trop adorable. Oh, j'adore. Donc, elle a mis des œufs et tout, elle a mis le sentiment joyeuse Pâques. Excellent, excellent. J'adore ta petite carte, Sylvie. Ah, oh, c'était trop mignon. Salut. Alors, c'est des Haute-Savoie, à la Haute-Savoie. Hein. On l'aime bien, la Haute-Savoie. Hein. J'en ai beaucoup des abonnés de Haute-Savoie. Si, j'ai la dôme de Haute-Savoie. D'ailleurs, c'est la victime du mois. Si, yé, yé. Si. Nanana, salut les copains, salut les copains. Si, ça me fait penser à Salut les copains. Si, c'était un magazine à l'époque des années 60. Si, Salut les copains, le magazine Salut les copains. Et la chanson c'était salut les copains. Bon, vous avez compris. Si. Non, c'est tout ça parce que la victime du mois c'est Yéyé Michou et Yéyé Michou, elle est de Haute-Savoie. Si. La dame de Haute-Savoie, si, la dôme de Haute-Savoie, si, Dominique, si. Faudra que j'y aille un jour par là. Ah ouais, ah ouais, en plus, c'est super beau par là. Le lac d'Annecy, c'est magnifique. D'ailleurs, ils l'ont passé, j'ai adoré avec Loulou. C'est trop beau, l'eau, elle est translucide, c'est beau, c'est trop beau. J'adore. Ouais. Et donc, Annecy, le lac d'Annecy, c'est magnifique. Oh bah ça va, par là-haut, il y a l'hiver, il y a le ski, tout ça. Hein. Ah bah si, hein. Le Berryville, tout ça. Hein. C'est un vrai bonheur d'habiter par là, c'est un vrai bonheur. Hein. De toute façon, c'est beau partout. Hein. Bah c'est super gentil, ça me fait plaisir. Si vous passez un bon moment, enfin, ou pas. Je te remercie infiniment, ça me fait trop plaisir ta petite carte. Et puis la région d'où tu es, c'est pareil. Je connais, hein. Je connais. J'aime bien traînailler moi dans mon pays. Si, j'aime bien. Et puis je suis vieille donc j'ai fait plein de choses. C'est ça. Et puis quand on n'a pas d'enfant, on n'a que nous à penser. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est pas forcément le mieux, hein, mais bon, il faut bien profiter de ce qu'on a, hein, ma vie. Ce que la vie nous offre. Merci. Alors pour ce faire, là on a une grande enveloppe et ça nous vient de Laurence. Et Laurence, c'est pareil, c'est un scrapeur du cœur. Regardez-moi ça. Donc elle m'a mis, j'aime bien parce qu'il y a toujours un petit clin d'œil à ma. Ah si, elle l'a mis là, à HHH 133. Si. Ouais, comme ça, j'aime bien. Mais j'aime bien savoir. J'ai trois quand même. Et donc, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a toujours un petit chien, petit Joy et le chat. Si, il y a toujours un petit clin d'œil à mes animaux, j'adore. Puis derrière, une petite coccinelle porte-bonheur. C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai l'impression que ça sent le slip moche. Si, j'ai l'impression que c'est un slip. Si.
Je sais pas, peut-être je me trompe. Non, je sais pas. J'ai un gros doute quand même. Alors, pour ce faire, je sais pas, ça sent le slip. Je sais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Yeah, salut les copains. Non, je me trompe. Je pense que je me trompe. Ça m'arrive de me tromper, hein. Je vois pas à travers les enveloppes, hein, quand même. Ça se trouve, elle me l'a déjà envoyé, puis je m'en rappelle plus parce que je les ai pendus. Et je suis toujours à la recherche d'un slip. Le slip à bretelles, je sais pas où il est passé. Valérie, je ne sais pas où est passé ton slip. Je vais le retrouver, mais où est-ce qu'il est passé? C'est quand même un grand mystère. J'ai dû le mettre de côté pour l'accrocher. Et puis il est toujours de côté, quoi. Mais alors, quel côté? C'est ça, je suis horrible. Mais ça, c'est pas, c'est, il n'est pas perdu, hein, il est juste égaré, ça s'appelle. Si, si, parce que perdu, c'est définitif. Égaré, c'est. Voilà, si, il est garé quelque part, mais on ne sait pas où. Si. Alors, donc, elle m'a. Ah, c'est mignon. Elle m'a fait une petite pochette comme ceci. C'est pas mal, ça, comme système aussi. Ouais, les petits pliages comme ça, c'était tout sympa. Et puis, dedans, elle m'a mis plein de sentiments sur Pâques. Des petits die-cuts comme ça, des petits lapins, des Easter en anglais, hein, joyeuse Pâques, n'est-ce pas? Hein, pour ceux qui. Voilà. Des petits lapins tout mignons, si. Si, on pourrait les mettre dans le gazon, justement, aussi. Un petit coin-coin, si. Bunny, Bugs Bunny, si. Bunny, si. C'était tout mignon. Regardez celui-là, s'il est mignon sur son œuf, regardez. Il est adorable. Ouais, j'adore, j'adore. Adorable, c'était tout mignon. Alors, la petite enveloppe, elle l'a fait avec du cardstock écru, là. Vous voyez, elle a pris du cardstock et puis elle a fait un petit pliage. Hop, j'aime bien moi. J'aime bien. Voilà, vous savez, si vous me suivez, vous savez que j'adore faire de l'origami. Des enveloppes, des machins, des trucs. Avec l'origami, des cartes, j'en fais beaucoup. Parce que je trouve que c'est super sympa, on peut faire plein de choses. Et puis c'est pareil, tout le monde peut le faire. Inventer un pliage. Vous amusez à plier un peu n'importe comment. Et vous pouvez découvrir que, tiens, ah bah tiens, ça donne ça. Si, c'est rigolo. Bah si, c'est rigolo. Hein. Bon, si. Ouais. Tout le monde est créateur, tout le monde peut inventer quelque chose sans le savoir. Hein. Si. Alors, ben si. Voilà. Et donc là, elle a mis un petit sentiment sur une petite bannière, là, Joyeuse Pâques. Alors, elle l'a écrit au stylo mauve et autour, elle a mis des paillettes. Je ne sais pas trop comment, avec quoi elle a déposé ça. Peut-être un stylo qui paillette, je ne sais pas. Ou une colle qui paillette. Ça fait super joli. Vous avez vu les effets que ça fait? C'est trop beau, hein? C'est des petits détails, mais ça fait tout mignon. Hein, les glitters, les machins, les tout ça. Ça rend toujours bien. Ça égaye, hein, ça fait fête, quoi. Tout mignon, mignon. Alors là, nous avons. Ah, un tracteur. Ah, bah tiens, c'est la première fois que j'ai un tracteur, une découpe de tracteur. Trop bien. Ah, pour faire une carte sur les moissons cet été. Si. Si. Alors, bah si. Ah, c'est quoi? Ah, c'est pour mon herbier, ça. Je sens que c'est pour l'herbier. Elle a dû me mettre des choses pour l'herbier. Des feuillages et tout ça. Oh, c'est trop bien. Ah, j'adore le tracteur. Avec les petits brins de blé là et tout, il est sublime. Vous le voyez, non? Vous voyez? Si, on les voit. Oh, il est bien. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est pour mon herbier, j'en suis sûre. Oh, c'est trop bien. Oh, regardez. Non, mais c'est excellent ça. Tu travailles dans l'agriculture, non? Je sais pas en fait, j'en sais rien. Peut-être t'as des vignes. Non, c'est du blé ça. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on cultive? Non, je sais pas, en fait, je sais rien, je sais pas. Il y a plein de petites feuilles. Alors ça, c'est super chouette, les feuillages, là, pour mon herbier. D'ailleurs, c'est une page aussi pour mon herbier. C'est une. Alors, attendez, parce que en fait, je vais tout mettre pour l'herbier. D'ailleurs, ça se trouve, c'est pour mon herbier, non? Je sais pas, il n'y a pas de petits mots, mais c'est bizarre. Ça ressemblerait à ça. Oh oui, oh oui. Un petit lézard sur son mur. Ah bah tiens. Un lézard s'ennuyait de sa solitude quand il lui vint l'idée de réunir quelques amis et se distraire en compagnie. Regardez comme c'est beau. J'adore. Les lézards, c'est bien, on leur tire la queue. Bah si. Si, on a tous fait ça. On va prendre la queue du lézard et puis la mettre dans son portefeuille pour que ça porte bonheur. On fait des trucs. Vous trouvez pas qu'on fait des trucs complètement. Si. Les pattes de lapin aussi. Bah si. Les queues de lézard, les pattes de lapin. Ah si, si, si. Bon, bref. Alors, pour ce faire. Elle m'a fait un joli petit tag, là, une jolie petite image avec des marguerites. Une pensée pour toi. Oh, c'était tout mignon. Marguerite sur tige. Ouais, c'est beau, ça. Les petits arbustes, là, c'est trop beau.
Ça, c'est pour mon herbier. Tout ça, c'est pour mon herbier, j'en suis sûre et certaine. J'ai pas encore vu de mots, mais j'en suis sûre, c'est pour ça. De toute façon, regardez ce que je fais. Je le mets derrière moi et derrière moi, c'est mon... C'est pas mon merdier, c'est mon herbier. J'ai dit, ah là 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 là. Hein. Bon, pour ce faire... Waouh, oh, c'est beau. Wow, elles sont belles, les photos, les images, là. Ouh là 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 là. Oh, regardez-moi cette page magnifique, magnifique, magnifique. You are perfect, ouais, je sais. C'est ça. Je suis parfaite. Oh, bah tiens, on peut partager. Oh là 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 là, des tamponnages. Ah, oh, des petits tamponnages. La vie est belle en famille. Oh, baby, sûrement. Ah, c'est ça. Oh, c'est beau. Oh, papy, mamie. Oh, c'était tout mignon. Oh. Oh, c'était tout mignon. Aimer tendrement. La vie est belle en famille. Regardez, avec papy et mamie, des petits tamponnages tout mignons. Monsieur, j'adore le petit lapin, il est adorable. Avec sa petite oreille de travers. Oh, le cornet de glace, il est super. Oh, il est trop beau. Si, il est trop beau. Oh, je l'aime beaucoup. Oh, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Ah, mais il est encore là. Ah, c'est mon préféré, si. Avec les trois boules. Si. J'ai les boules. J'ai les boules. J'ai les boules. C'est bon, la glace. Oh, alors, il commence à faire beau, là, ça va. Ça fait penser à manger de la glace. Si. Qu'est-ce qu'elle m'a... Ah, deux ATC. Oh, c'était trop beau. Oh, ils sont trop beaux. Hein. Angélique. Oh, c'était trop mignon. Oh, j'adore. C'est mon cavalier. Un cavalier qui surgit au de la nuit. Court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un J qui veut dire joy. Ouais, j'essaie de se transformer, j'ai le droit quand même. Donc regardez, elle m'a fait un petit joy avec son petit nœud pape or, n'est-ce pas? Ça c'est Roubouille et puis ça c'est moi. Comment elle a fait pour marquer mon prénom Angélique là? Elle l'a fait avec quoi? Comment t'as fait? À la pyrogravure, non? C'est vachement bien écrit en plus. Comment t'as fait? C'est gravé, hein? Waouh! Donc elle m'a fait un ATC... je vais y arriver. Si, je vais y arriver. Sur le thème des animaux de compagnie. Si, elle a fait ça. Et ça, c'est, elle l'a fait le 6 avril. Et ça, c'est le 1 sur 4. Et donc, elle a pris une base de je dirais, d'aquarelle, de papier aquarelle. Elle a fait des impressions d'encre, des doodles, là, tout autour, avec du rose. Je ne sais pas ce qu'elle a utilisé, mais c'est joli. Ça fait comme... Enfin, ça fait des doodles, mais... un peu vaporeux comme ça, c'est hyper joli. Elle a découpé une forme de timbre comme ça dans du papier miroir argenté. Elle a mis mon prénom et Joy et Roubouille. Et voilà, Lolo. Trop trop joli. Et celle-ci, c'est pareil, elle a pris une base de, ouais, de papier aquarellable. Hein. Ensuite, elle a mis un joli papier, déco avec les papillons. Ensuite, elle a fait des petits des doodles tout autour. Hein. Elle a mis une petite découpe de vélo, des petites bottes de pluie ou pas. Et puis là, elle a fait... je sais pas ce que c'est en fait, c'est quoi? C'est des dessins qu'elle a fait elle-même ou c'est un washi? Je ne sais pas. Une petite bande là comme ça, voilà. Comme si... je ne sais pas, mais c'est très joli. Et puis là, une petite perle, demi-perle nacrée comme ça. Et elle a mis le sentiment petit bonheur. Bah si, petit bonheur. Ouais. Et elle l'a appelé Dame Nature. Dame Nature. Et c'est le 3 sur 4 celui-ci. Voilà. Et elle l'a fait le 4 avril. J'adore. C'est très très sympa. Donc ça c'est deux petits ATC. Hein. J'aime bien, moi j'adore les ATC. Et j'adore en faire et j'adore... j'adore, j'en ai plein. Et j'adore. Si. Et donc là, elle m'a mis ça dans une carte embossée à froid avec des fleurs, des feuilles. C'est super joli. Donc voilà, je t'en enverrai aussi. J'adore ça. Ah, je savais, j'avais raison. Si, j'avais raison, c'était ça. J'en étais sûre. Je sais pas pourquoi j'en étais sûre. Ah non, pour se faire. Si, si. Oh non, non. Les petites fleurs, si. C'est ça. C'est soit ça, soit des morpions. Ah, c'est ça. C'était trop mignon. Alors, donc, pour ce faire... Oh, c'est trop adorable. Oh, elle m'a fait une carte, là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. Une petite carte comme ça, avec un fond de marguerite. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore les marguerites.
aussi, très printanier comme ça. Donc il y a les marguerites, des petites coccinelles comme ça, le petit lapin, c'est pour Pâques, un tendre moment, les petites découpes de papillons comme ça fait magnifique. Les petits papillons jaunes, c'est les premiers petits papillons qu'on voit au printemps. Si, hein? Les petits papillons jaunes, c'est les premiers que je vois moi à chaque fois. Si. J'adore, j'adore, j'adore regarder les papillons. Oh, qu'est-ce que je peux les observer? J'attends qu'ils se posent et je prends des photos et tout ça. J'adore ça. Enfin, le papillon, c'est trop beau, les papillons. Trop beau. Si, si. Alors, donc, ouais, c'est ça. Et donc, elle m'a fait. Derrière, elle m'a fait une pochette, comme ça, pour y glisser un petit thé. Si, c'est pour manger avec le petit lapin que j'ai eu tout à l'heure. Si, le petit lapin. D'ailleurs, oh, elle est déjà. Oh, ouais, et non. Regardez. Non, mais. Oh, voilà, c'est pour ceux qui me suivent. Vous voyez le petit paquet de bonbons là qui piquent? Et ben voilà, ça y est, il n'y en a plus. J'ai tout mangé. Tout mangé en. Oh, ils étaient trop, trop bons. Trop bons. J'ai déjà tout mangé. Non, mais. Non, il faut pas. Non, il faut pas m'envoyer des trucs comme ça. Oh, ils étaient excellents. J'ai mangé ça, puis des œufs au chocolat. Non, mais c'est horrible. J'ai mangé des œufs au chocolat au praliné là aussi. Il me reste plus que le lapin. Non, j'ai plus de réserve. Il me reste encore le lapin. Ça, c'est pour ce soir. Avec ma petite tisane. Bah, ben, si, j'ai. Mais vous pouvez résister au chocolat, vous? Moi, je peux pas, hein, j'y arrive pas. Non, je peux pas. Alors, elle m'a mis un petit mot. Alors. Je vous promets pas du grand art, mais juste une heure pour vous marrer. Si. Alors, c'est bien. Hein. J'adore. Ce n'est pas du grand art, mais juste regarder et la voir. Un peu de laideur et de chaleur dans les scrappeurs du cœur. Aujourd'hui, où on n'a plus le droit de scraper tout ça. Changer les paroles. Ce n'est pas du grand art, mais juste regarder et la voir. Un peu de laideur et de chaleur dans les scrappeurs du cœur. C'est les paroles qu'elle a mis. Si, si, j'adore. Oh, c'était trop bien, c'est trop mignon. Lolo, j'adore. Donc, bah non, moi je le trouve magnifique. Mais vous dessinez trop bien et tout, hein. C'est fou. Alors j'ai retrouvé le slip, c'était Valérie? Non, attends, c'est qui m'a. Non, Mickey. Non, c'est Mickey. Je crois que c'est Mickey. Mickey, c'était le slip 40, mais il est déjà accroché. Si, je l'ai accroché déjà. J'ai pas pris de retard. Non, je prends plus de retard. J'essaye. Si, j'essaye de me mettre à jour immédiatement, j'accroche tout de suite. Parce que après. Ouais, donc, ouais, c'est Mickey, je crois. Tu es le slip 40. Et donc, Lolo, j'adore. C'est trop mignon, les petites fleurs. Si. Fabrication française, hein, made in France. Si, j'adore. Mais non, vous dessinez trop bien, hein. Si, c'est un slip à poche. J'adore, j'adore, j'adore. C'est excellent. SM, slip moche, mignon, magnifique, magique. C'est ça. Elle a mis ça dans un ruban. Ah, oh, c'est trop bien. Elle avait une petite sa marque de fabrique, quoi. Si, c'est made in France. Ça, j'adore le petit drapeau. Alors là, j'adore. Kangourou, c'est dans la poche. Allez, con! Elle a fait ça sur du cardstock et tout. C'est trop bien. J'aime bien. Je regarde toujours dans le slip, moi. Si. Je peux pas m'empêcher de regarder dans les slips. Si, c'est comme. Si. Et quand on était gosse, ouais, je sais, j'ai toujours un truc à. Parce que c'est des souvenirs, on a tous fait ça. Si. Les filles, je parle. Et puis les garçons, ça se trouve, ils faisaient ça aussi. Si, ouais, je sais pas, j'ai pas. Alors, quand on avait des poupées, si, parce que les poupées, moi, la première chose que je faisais quand j'avais ma poupée, je regardais si elle avait une culotte. Si, si, parce que je crois que les poupées, elles n'étaient pas vendues avec des culottes. Après, ils ont progressé, ils ont mis des culottes. Si, je crois. Bah, moi, mes poupées, elles avaient jamais de culottes. Bah, non, elles n'avaient jamais de culottes. Je sais pas, elles avaient des culottes, les vôtres? Je sais pas. Moi, les miennes, elles avaient jamais de culottes. Je sais pas. Bon. Si. Alors du coup maintenant je regarde tout le temps ou dans la culotte ou sous la jupe. Si je fais tout le temps ça, bah si. Si. Je sais, je suis folle. Alors pour ce faire, j'adore. Non mais vous me direz si c'était normal que moi mes poupées n'avaient pas de culotte. Vous me direz si c'est normal. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors donc tu es le SM. Moche, mignon, magique. T'as rien oublié? Mignon, magnifique. Non, t'as rien oublié. Non, t'as rien. C'est bien, très bien.
Tu es très bonne élève. Si, tu es le SM41, parce que je suis à jour. Si, tu es le SM41. Donc là, je pars, hein, on en est à 41. Ça avance, hein. Si, ça avance, hein. C'était pour quoi faire la petite trombone? Je l'ai perdu. Ah, je crois que c'était pour attacher la petite. Je crois. Je crois que c'était ça. Si, de toute façon, on disait que c'était ça. Donc tu es 41. D'accord, Lolo? Si, tu es 41, je te le dis. Bah si, je te le dis. Alors pour ce faire, je vais t'accrocher tout à l'heure. Je vais te mettre là. Si je te mets là. Je te mets là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu un truc. Si. Alors, bon bah voilà. Donc il nous reste le colis. Alors le colis, c'est de qui? Je sais pas. Je ne sais pas parce que j'en ai encore un autre encore à ouvrir. Si, je sais, mais je sais, je sais, je sais. Je suis trop gâtée, je suis trop gâtée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute quand même. Alors, pour ce faire, il est où, on y va. Allez, c'est parti parce que je ne sais pas. Ah ben si, je peux vous dire. Ah ben non, il n'y a que le nom de famille. Alors, je crois que c'est Jocelyne. Parce que comme j'ai que le nom de famille, et c'est le HHH116. Il me semble, je vais devenir bonne. Hein. Il me semble que son prénom c'est Jocelyne. Ouais, ben, on disait que tu t'appelais Jocelyne. C'est mignon, Jocelyne. Mais si, c'est joli, ça te va bien. Ben, on disait que c'était ça, puis c'est tout. Hein. Donc je ne sais pas ce que c'est énorme. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout ça. Alors demain, c'est encore férié. Oh là là. C'est horrible. J'aime pas les jours fériés. J'aime pas. De toute façon, je travaille tout le temps, donc c'est pas grave. Si, férié ou pas férié, pour moi, ça change rien. Alors, pour ce faire, niveau à la retraite. Si, oh, je dis ça, mais j'ai hâte quand même. Alors, donc, pour se faire. Oh, c'est quoi? Oh là, tout ce qu'il y a. Non, mais tout ce qu'il y a. Mais tu es folle. Oh là là, j'ai peur. Non, mais j'ai peur. Oh là là. Ça, je le garde parce que. Alors, attendez. Parce que du coup, j'ai vu que. Ah ouais, c'est bon. C'est pour l'adresse. Je me demande, est-ce qu'il y a des adresses que j'ai perdues? J'ai pas fait exprès. Hein. C'est que quand j'avais ouvert mes trucs d'anniversaire, je vous l'ai déjà dit, mais vous savez, j'avais mis du scotch dessus. Et du coup, quand je veux répondre à certaines gens, à certaines d'entre vous, et eh ben je suis embêtée parce qu'il me manque des bouts d'adresse et tout. Plus jamais je fais ça. Ben non, c'est nul. Hein. Alors, je suis un tout petit peu embêtée, mais bon, je vais y arriver hein, à retrouver. Mais... Alors, c'est blindé, c'est horrible, hein, si c'est horrible. Alors, pour tes créations à venir. Ah ouais, alors, ah ben parce qu'elle me suit vraiment beaucoup. Elle me suit bien. Elle fait un super joli belly band, là, j'adore. Ah ben, j'adore l'idée. Ben, c'est dingue, j'aurais pas pensé à faire ça. Ben non. Ben non, elle a pris deux bandes de papier, elle a mis des attaches parisiennes. Moi, je m'amuse à coller ou machin au truc. Elle a mis des attaches parisiennes et ça fait super joli. Avec des jolies attaches parisiennes comme ça, vous faites une ceinture. Hein, c'est trop beau. Oh, ça me donne des idées de ceinture, ça. Oh là là, avec des attaches parisiennes, vous faites pendre des charmes et tout. On peut faire plein. Oh là là, mon Dieu. Oh, mais quelle bonne idée. Oh ouais, on peut s'amuser à faire des jolies belly bands là pour les cartes avec des charmes qui pendent avec les trucs et tout. Ou faire des ceintures, un ceinturon. Avec des clous, des trucs comme ça, ou. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça peut être super sympa. Oh là là, quelle bonne idée. Oh là là, ça m'inspire, ça. Ah, oh, j'adore, j'adore. Si, j'adore. Si, si. J'adore cette idée. Ah, vous avez compris, quoi. Ouais, je sais. Je vous saoule. Bah, j'espère bien. Ah, c'est ça! Champagne! Donc, elle m'a mis plein de sacs. Parce qu'avec les sacs, je fais des albums. Ouais. Vous avez vu mon tuto? Bah, si. Avec les sacs, je fais des albums. Avec tout ça, on fait des albums. Si. Comme ça devient un album. Un album. Si. C'est super, je te remercie infiniment. Et puis, ces sacs-là, tout ça, là, c'est dans les. Alors, qu'est-ce qui est marqué dessus? Plaisir d'offrir. Ça, c'est pour mes junks. Alors, dans les junks, je mets des sacs comme ça. Bienvenue chez vos primeurs. J'adore. Je fais des pochettes dans mes junks. Voilà, j'adore. Je te remercie infiniment.
Parce que ça fait des super albums, ces sacs-là. Ah si, je vous assure, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, tout ça, on fait des albums. Oh, et puis là, j'ai pas besoin de me fatiguer beaucoup pour faire un album de Noël, par exemple, hein. Ah bah non, hein. C'est déjà quasiment tout prêt, hein. Ainsi, ça ferait un super album de Noël, ça. Ou alors, vous savez, j'adore, je ne vais même pas le mater. Vous voyez, je garde le papier comme ça décoré. Et ça fait, regardez, vous le pliez en deux. Et je vous assure, hein, ça fait un trop trop beau album. Hein. Ou même un junk. Hein. Un junk, voilà, je le plie là, ça y est. Hein. Je fais une. J'ai même les poignées, j'ai tout. Et hop, je fais comme ça. Hop, pour le fermer, je fais un système de fermeture comme ça, justement, avec un gros bouton, quelque chose ici. Quelque chose, un gros truc pour mettre ça comme ça, le bloquer dedans, pour fermer. Et puis après, là, je mets mes pages. Là, évidemment, je mate. Hein, hop. Et puis là, je couds mes pages, là, en plein milieu. Voilà. Oh, alors, ça peut être magnifique, magnifique. Et là, je fais une pochette. Je laisse comme ça ouvert et je fais une pochette pour y glisser un tag et tout. Oh, alors là, je vois déjà ce que je vais faire pour. Là, c'est pour Noël, hein, c'est sûr. Hein. C'est loin, mais n'empêche que c'est sûr. Je vais faire exactement ce que je viens de vous dire. Si. J'adore, j'adore, j'adore ton sac, là. Oh, elle est magnifique. Je vous assure, on peut faire des choses magnifiques avec ça. Magnifique, magnifique. Pour les débutants, il n'y a pas besoin de faire des. Vous savez, parce que c'est pareil, j'en ai déjà fait avec vous. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait avec vous des structures d'albums et tout ça, avec des cartonnettes, du collant et tout. Vraiment, la structure la reliure, quoi, une reliure complète. Je ne sais pas si je l'ai fait avec vous. Je sais pas. Je sais pas. Je ne me rappelle plus parce que j'ai fait plein de choses, mais je sais pas si j'en ai déjà fait. Parce que c'est pareil, mais je pense que je l'ai déjà fait, mais j'ai un doute. Vous avez compris quoi. Donc je te remercie infiniment. Je suis trop, ça m'inspire beaucoup ce sac là. Ouh là là. Et puis alors ça j'adore. L'histoire des. Parce que vraiment on peut faire des choses super sympas. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que tu m'as envoyé encore, hein? Oh là là, il faut. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Oh là là. Oh c'est beau. Oh c'est trop beau. Oh là là. Tu peux. Alors là, je suis trop contente. Ouais, je sais. C'est pas que ça va sembler, ça va manquer d'humilité. Non, mais c'est pas ça. Je suis trop contente d'avoir cette carte. Je suis trop trop contente que tu. Oh, je suis trop contente que tu me l'aies envoyée. Parce que c'est la carte que j'ai fait en. On dirait la mienne. Sauf que la tienne est encore plus belle parce qu'elle est dentelée là. Je crois pas que j'ai fait un truc aussi joli moi. Mais en fait cette carte je l'ai envoyée à quelqu'un et je me disais oh parce que je ne fais jamais, je fais jamais rien en double vous savez. Pas comme certaines youtubeuses elles vous montrent ce que vous allez faire. Moi comme je sais jamais ce que je vais faire, je peux pas vous montrer avant. Bah si. Mais donc du coup je l'avais plus cette carte parce qu'elle est partie pour quelqu'un. Et je me suis dit, oh, c'est dommage que j'en ai. Oui, je sais. La fille qui garde ses trucs pour elle. Non, mais je crois que j'avais pas fait de photos et tout ça. Je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. Et je l'adore cette carte. Si, 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 c'est pas pour dire, mais j'adore. C'est trop beau. Avec ces die-cuts-là, là, c'était fait pour ça, je trouve. Si. Et elle est super belle, ta carte. Trop, trop jolie. Tu l'as trop bien réussi. Vraiment. Donc, bah, ça, c'est le tuto. Donc, voilà. Ouais, tu l'as trop trop bien réussi, je suis trop contente. Magnifique, magnifique. Et donc voilà, elle a fait une petite suspension macramé, voilà. Et puis elle a mis le sentiment 100% nature, avec elle a ancré les bords et tout ça. Voilà. Et puis à l'intérieur, hop, elle a mis plein de die-cut et tout, sur le thème des fleurs, des papillons et tout ça. C'est trop joli, elle a maté avec une feuille blanche pour pouvoir écrire. En fait, c'est une base blanche, non? Une base blanche qu'elle a matée du début à la fin. Ah, je crois, je sais pas. Si, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est une base blanche et puis elle l'a matée, elle l'a double matée, là, puis là. On dirait, hein. Ah si, c'est ça. Ah non, elle est blanche d'un côté, cette feuille, je crois. Elle est blanche et t'as maté l'intérieur avec le même papier. Et après, tu m'as fait un. T'as collé une feuille blanche pour pouvoir écrire dessus. D'accord, je crois que c'est ça. Ouais, je pense qu'il était blanc d'un côté. Je sais plus. Elle est très 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 jolie ta carte, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je la garde dans vos créations là. Ça me fait trop plaisir. Ouais.
Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est beau ça. Ouh là là. Oh, voilà, vous êtes magnifique, vous êtes merveilleuse. Oh, c'est beau ça aussi. Je sais pas si c'est elle qui l'a glittérisé. Ouais, j'invente des mots, je sais. Non, parce qu'elle a pris un papier miroir et elle a collé une image dessus avec cet oiseau magnifique. Et vous voyez, il y a des paillettes, donc je pense que c'est elle qui l'a customisé, l'image. J'aime bien faire ça aussi. Moi, je mets des glitters, des machins, tout ça sur les. À certains endroits, sur des fleurs ou les papillons ou les oiseaux, comme ça fait trop joli. Elle est magnifique, ta petite carte, je l'adore. Puis alors, les couleurs, évidemment, le mauve, le rose. Je suis vraiment amoureuse de ça. Oh, j'adore cette carte aussi. Oh, c'est trop belle. Oh, elle est belle la tienne. Oh là là. Ah, oh, ouais. Ah, oh, c'est super sympa ce que tu as fait. Super. J'adore cette carte. Regardez, elle est belle sa carte. Hein. C'est une carte à bascule. Hein, c'est super ça. Vous pouvez même représenter un berceau d'enfant. J'adore cette carte. Elle est très très belle ta carte. Oh, j'adore, j'adore. Si vous avez compris, j'adore. Si. Magnifique. Donc elle a fait un système de. Là, elle a au centre, elle a relié les deux. Qu'est-ce que j'adore cette carte. Si. Elle est belle. Donc elle a pris un papier déco, voilà, elle a mis des washi, c'est trop beau, elle a décoré quoi, elle a décoré, elle a mis un joli cœur comme ceci, oh là c'est beau, découpé dans du papier rose, mais je pense que c'est elle qui les customise, qui rajoute des paillettes et tout ça, je suis quasiment sûre. Ouais, je crois que c'est elle qui. Elle a fait plein de découpes de petits napperons là qu'elle a superposés, tout ça, elle a mis des petits strass. Il y a plein de trucs, des petits strass en cœur, des petites fleurs. Là, il y a une découpe. Regardez-moi ça, si c'est joli, ça, comment elle a habillé sa bascule là, avec une découpe d'une finesse extraordinaire. Trop beau. Superbe, superbe. J'adore. Hein. J'adore. Si, j'adore. J'ai droit quand même. Et puis à l'intérieur, elle m'a mis une petite carte comme ceci. Format ATC, on dirait presque. Mais moi, je regarde un truc. J'ai droit. Si, j'ai droit. Si, j'ai droit. Ah, je pourrais la mettre sur un ATC. Hein. Ah non, je peux pas. Ça dépasse. Hein. Ça dépasse. Et comme je ne veux pas la raccourcir, c'est trop mignonne. Trop mignonne avec toujours le thème des petits oiseaux comme ça. Regardez-moi ça. C'est hyper joli ce qu'elle a fait. Sur son papier miroir et tout. C'est trop beau. Si, regardez. Ouais, je pense qu'elle a déposé les paillettes. Je sais pas. C'est elle qui l'a fait. Hein. Je sais pas comment elle a fait, mais c'est un papier et puis ouais, c'est ça là. J'adore. Vous avez compris quoi? Si. Alors, si. C'est magnifique, magnifique. Alors, je vais remettre tout ça à l'abri pour pas que ça s'abîme. Hop. Ensuite, ah, ma petite carte, je suis trop contente. C'est trop belle. Hein. Trop, trop belle. Vraiment, c'est beau, hein. Alors là, il doit y avoir une carte. Alors, petit mot pour. C'est trop mignon. Je vous adore. Oh, il est trop gentil. Je le lirai après. Alors, je regarde. Ah, ça sent le slip moche. Oh là, alors non. Alors, par quoi je commence du coup? Je ne sais. Oh non! Oh non! Non! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là! Ah oh, bah tiens, j'en mange un tout de suite. Ah hein. Oh, bah si, j'ai droit. Si, j'ai droit. Oh, ça doit être trop bon ça en plus. Non, mais vous êtes fou, hein. Oh, c'est bon. Oh, non, mais il est trop bon. Oh, c'est vachement bon, ça. Oh, la vache. Oh, là. Oh, mais je vais devenir obèse. M'en fous. C'est trop, trop bon. Il y a plein de chocolats, si c'est pas qu'un. Si. C'est très très bon, hein. Oh la vache. Oh là, moi je m'en ai acheté de ça. Hein. Je connais pas. Je connaissais pas, mais j'adore. Hein. Oh là là. Et puis ça, oh là. Non, peanut. Oh là, ça, c'est aux noisettes et tout le bastringue. Oh là. Bon, vous avez compris quoi. Oh là. Alors pour se faire, mettre ça là. Si j'ai droit. Alors, je fais comment? Je commence par quoi? Non, je vais finir par. Non, je vais finir par ça. Ça, je suis en train de m'étrangler. Si,
La gourmandise est un vilain défaut. C'est ça. C'est du slip moche, c'est du PTP, ça, je le sens. Alors, je fais quoi? Je commence par quoi? Je suis perdue. Je vais j'ouvrir cette jolie boîte. Oh là, c'est beau ça. La mamie, elle a fabriqué une boîte. Regardez comme c'est très très beau. Hein. Ce papier avec les marguerites, c'est quand même bien les plus belles fleurs du monde. Si, de la terre, de l'univers, si. Avec deux petits papers, je dis n'importe quoi, c'est chocolat, si. C'est pour mon magnésium, si, parce que je suis en manque de magnésium. On m'a dit que comme j'avais des crampes, c'était un manque de magnésium. Alors, il faut manger du chocolat, si, il faut manger du chocolat, si. Alors donc, elle m'a fait, avec ces jolis papiers fleuris de marguerite que j'adore, j'adore. Donc, c'était des attaches parisiennes. Et donc, avec deux jolies plumes. Et un petit cordon, elle m'a fait une petite. Hop là! J'adore ce système de fermeture, moi. Si, j'adore. J'ai droit quand même. Hop, et hop, et voilà! Elle a mis de la dentelle comme ça, regardez tout autour, faire sa petite boîte. C'est très romantique, c'est très mignon. Et. Oh là! Elle m'a mis tout un tas de petites tisanes. Regardez, c'est vachement bien fait, hein, petite boîte, hein. En fait, on m'a fait une bande et puis elle a fait des côtés et tout ça. Ouais, hein. Et les attaches, même les attaches parisiennes, elle les a cachées avec, vous voyez, elle les a matées pour pas que ça soit blessant ou que, vous voyez, même à l'intérieur, hop, elle a fait un petit, hop. En fait, elle a pris une bande de papier, puis elle a fait les côtés, elle a créé les côtés avec deux bouts de papier, et puis elle a fait des petits rebords, et hop, elle les a collés, puis elle a créé sa petite boîte comme ça avec les petits, c'est trop mignon. J'adore tes petites plumes là, elles sont magnifiques. Super, super. C'est très romantique, c'est très mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc, elle m'a mis du thé. Oh là, le thé au citron, j'adore. La citronnelle. De toute façon, oh, caramel. Oh, j'en ai plus. Non, mais parce que je sais plus qui m'a envoyé du. Je connaissais pas le thé au caramel. Ouais, je sais, je connais rien. Le thé au caramel, je connaissais pas. Mais alors, m'a envoyé des sachets là. J'ai tout bu. J'ai tout bu. C'est excellent. Le thé au caramel, c'est trop bon. Pêche cassis, oh là là, c'est trop bon. Oh là, verveine miel, fleur cap. Oh, mais si. Oh là là, c'est que des trucs qui sont bons. C'est ça. C'est horrible. Non, puis c'est horrible, j'aime tout, moi. Oh, non, mais c'est vrai, j'aime tout. Bah, de toute façon, quand j'irai chez vous. Vous pourrez me faire ce que vous voulez, j'aime tout. Si. À part les tripes, j'ai dit. J'aime pas les tripes, j'aime pas. À moins que quelqu'un réussisse à m'en faire manger un jour. Si, que je m'aperçoive pas que c'est des tripes. Bon, je vous mets au défi là parce que j'ai essayé sous toutes ses formes. Alors, donc pour ce faire, elle m'a fait, elle m'a mis. Oh, il y a de l'ATC là-dedans. Ouh là là, il y a de l'ATC. Je sens qu'il y a de l'ATC. J'adore les ATC. Ah, il y a le Memoridex aussi. Alors attendez, comment je fais? Alors, pour ce faire. Bon, attendez, je ne sais pas, je ne sais pas. Un tout petit peu embêté, moi j'ai pas. J'essaie de sortir sans rien abîmer. J'arrive pas à la sortir. Comment t'as fait pour la rentrer? Comment t'as fait? Comment t'as fait pour la rentrer, toi? Je sais pas comment t'as fait pour la rentrer, mais moi j'en ai bavé pour la sortir. Hein. J'ai sorti, mais voilà quoi. Hein. Je sais pas comment t'as fait. Hein. En tout cas, elle a fait une pochette là. Waouh! Donc elle a fait une pochette, hein. Une petite pochette. Bah, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Je sais rien. Je ne sais pas. Ou c'était une. Je ne sais pas. En tout cas, elle a maté une. Ou alors elle a maté une jolie petite pochette comme ça avec du joli papier déco, du washi, tout ça. C'est bien. C'est des. Je sais pas comment elle a fait ça. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas comment elle a fait. Donc, et dedans, nous avons une Memoridex. Alors, une jolie Memoridex sur un papier très vintage. Ou alors, elle a pris une base de papier et elle l'a matée avec un papier vintage. Les feuilles très fines, là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je pense que c'est plutôt ça. Elle a maté un morceau de papier avec une feuille très fine, là, d'un bloc. C'est très vintage avec des enveloppes. Du papier, des tours Eiffel, des machins, tout ça, des cartes postales. Et donc, elle y a mis tout un tas de fleurs, cœurs, papillons, petits oiseaux, petits strass. Voilà, une petite dentelle avec un petit nœud comme ça, rose. C'est très mignon, c'est très romantique.
Et donc, Jocelyne, c'était ça. D'ailleurs, je me suis pas trompée, hein. Ben non. Mais je commence à être bonne, hein. Je commence à vous retenir. Si, je commence à vous reconnaître un petit peu. Oui, il va me falloir 10 ans, mais moi, c'est ça. Non, je m'améliore, hein. Si, je m'améliore, hein. Je savais que c'était Jocelyne. Je vous l'ai dit? Si, je vous l'ai dit. Ben si. Non. Donc, ben oui, d'accord, ok. Bah ouais, ça doit être bien. Moi, j'adore la campagne aussi. De toute façon, je préfère la campagne que la ville, largement. Je suis pas une fille de la ville, moi. Pas du tout, du tout. J'adore la campagne. J'adore, j'adore. Alors, elle m'a fait des ATC, Jocelyne. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore. Ouh là là, c'est bien ça aussi. Ouh, j'aime beaucoup. Alors, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses qui se font que. Quand je vois ce que vous faites, ça me fait. Des fois, ça me dit, ah, mais ouais, mais pourquoi j'ai jamais fait ça, moi? Pourquoi j'ai jamais fait? C'est vrai, hein? Ça, là. Je vais vous montrer celle-ci, je vais vous montrer l'autre après. C'est parce que j'aime bien son idée, c'est tout. Alors, si. Elle m'a fait des ATC. Alors, je pense que c'est la même famille, parce que là, je vois là une image. Hein? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la 1 sur 3. Elle les a appelées. Sa série, elle s'appelle Les femmes se coupent les cheveux. Hein? Les femmes se coupent les cheveux. Et donc, c'est une création du 11 avril. Et bah c'est un ATC, quoi. Et donc, une jolie image comme ça, avec des femmes à cheveux courts, hein, avec des chapeaux, tout ça, des bouquets de roses. C'est des très jolies images. Et donc, tout simplement, elle a maté un cardstock marron avec une base beige. Elle a fait des doodles tout autour. Elle a collé son image. Elle a mis deux, trois strass. C'est très magnifique. C'est très magnifique. C'est très joli. Et puis derrière, elle a mis, vous voyez, une petite étiquette. On peut les trouver, ça, sur Artist Trading Card. On peut les trouver, ces étiquettes-là, sur Pinterest ou des trucs comme ça. Bon, il faut avoir une imprimante, comme d'habitude, hein, mais on peut les trouver, hein. Et si vous voulez, si vous en faites vraiment beaucoup, beaucoup des ATC, ben, il y a les tampons aussi qui s'achètent, hein. C'est des tampons qui s'achètent où il y a marqué le titre, série, machin. Et donc voilà. Donc là, il y a celui-ci. Et ça, c'était le 1 sur 3. Et ça, c'est le 1 sur 6. Attends, je me trompe pas. Ah, mais ça, c'est une autre série, ça. C'est les années folles. Et c'est le 1 sur 6. C'est pas du tout la même série. Non, non, c'est pas les mêmes séries. Je dis n'importe quoi. Non, c'est parce que le style des images, c'était les mêmes. Mais en fait, là, elle l'a appelé les années folles. Et c'est le 1 sur 6. Et elle l'a fait le 10 avril. Pas du tout à la même date, en plus. Donc, vous voyez ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est son vélum là. Et en plus elle l'a comment dirais-je, elle l'a embossé à froid. Elle a fait beaucoup de travail sur son vélum là. Elle l'a embossé à froid. Elle a fait de la colorisation sur ses fleurs là, sur son embossage. Alors je sais pas si elle a comment, si elle a colorisé sa plaque d'embossage avec du blanc. On peut faire ça. Oh, voilà. Et puis, c'est peut-être ça qu'elle a fait. Elle a colorisé sa plaque d'embossage en blanc et après, elle a passé son papier, son bout de papier dedans. Et donc, elle a mis un petit strass comme ça pour rappeler la fleur de là. Et puis, elle l'a collé comme ça sur. Elle l'a coincé sous son matage. Vous voyez? Elle a fait un petit volet comme ça. C'est très, très joli. C'est très rond. C'est très beau. Très, très beau. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Si, je le ferai aussi. Moi, j'ai droit. Si, je le ferai aussi. Et donc, elle a collé sa jolie image là de cette femme là, les années folles. Et puis, trois petits strass comme ça. J'adore. Magnifique. Ils sont très très beaux, tes ATC. Ouais. Vraiment très très jolis. Donc, je vais les mettre là parce que ça, bah, c'est pareil. Je vais répondre, hein, bien sûr. Alors, je vais les mettre là. Je vais les remettre dans ta boîte. Tu seras là. Alors, je vais lire le petit mot avant d'ouvrir notre slip. Et puis, notre. Si, on finira sur le slip et le. Si. Pour se faire un peu, pour se faire. Waouh, que c'est beau! Oh là là, c'est joli, c'est beau! Oh, j'adore, qu'est-ce que j'adore cette couleur! Elle a fait une petite carte comme ça en faisant des collages. Voilà, là, ça y est, les blocs 10-15 là. Elle a découpé l'image en trois parties comme ça. C'est très très beau, j'adore. Elle les a matés comme ça sur une feuille, une base mauve. C'est hyper beau. Elle a mis un ruban comme ça en travers avec un papier Vichy en dessous, mauve. Je sais pas si c'est dans le bloc, je suppose que c'est dans le même bloc, mais j'ai pas vu toutes les pages. Moi, ben non, j'ai pas le temps de tout regarder, mais je suppose que c'est du même bloc. Et puis elle a fait un mariage comme ça de. Oh, c'est trop beau. Et la petite. J'adore. Oh, j'adore.
J'adore, j'adore les petits strass, le petit sentiment bonheur, les petits papillons. Elle est magnifique ta carte, j'adore. Ah mais c'est ça, d'accord, ok. En fait, c'est slip moche et le PTP parce que j'ai déjà son HHH. Ah mince. Ah mince. Aïe, aïe, aïe. Ben ouais. Ben j'espérais. Ah ouais. Donc c'est le complément. Alors je vais mettre du côté. Ben si, c'est pour mettre les numéros en même temps. Si. Alors on commence quoi? Par le PTP? Si, on commence par le PTP. Alors pour ce faire. Si, ben si, c'est le complément. Oh c'est beau. Oh c'est trop beau. Oh j'adore. Oh c'est trop beau. J'aime bien, j'ai la paire. Bon bah, oh, bah, il y en a quand même qui comprennent que je veux la paire pour pouvoir les mettre. Si, j'adore. Oh qu'ils sont beaux. C'est trop beau, c'est trop beau. Waouh, j'adore. Elles sont trop belles les claquettes, j'adore. C'est du 36? 36 large. Si. 36 large. Non, mais j'y crois pas. Donc elle a pris. Oh, j'adore, j'adore. PTP, j'adore. Elle a mis en... Tout est prêt. C'est bien, c'est bien. C'est ça. Oh, et tu dessines trop bien. Et... Oh là, j'adore. Si, j'adore. Elle dessine trop bien les. Mais c'est trop bien dessiné. Si, j'adore. Et puis elle a fait des belles claquettes comme ça. Et puis vous avez vu, elle a bloqué. Là, c'est les élastiques qui sont vendus en ce moment chez Action. Alors, j'en ai acheté, moi, pour faire une création. Ben, on fera un de ces quatre quand j'aurai le temps. Si, on fera une création avec ces élastiques. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire, entre autres. Hein, ben, voilà, c'est sûrement pas nouveau, mais j'ai envie de faire ça avec vous. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est l'élastique qui est vendu en ce moment chez Action et donc elle a mis ça trop bien. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. Je vais les mettre, hein, si j'ai droit. Non, je fais du 39, moi, j'ai les grands pieds. Si, Berthe aux grands pieds, c'est moi. Si. Donc trop beau, elle a fait son vernis, tout ça, trop beau, les petites fleurs, machin. J'adore tes claquettes. Si, j'adore tes pieds. J'aime tes pieds. C'est pas j'aime tes genoux, c'est j'aime tes pieds. Si. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont peur des pieds? Il y a des gens qui ont la. Alors c'est pareil, ça a un nom. Bon, Noisette, tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, parce qu'il y a des. Il y a... Si j'ai besoin de toi, Noisette. Si. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des pieds. Si. J'ai vu une émission un jour, il y avait une dame, elle avait peur de ses pieds, même de ses propres pieds. Alors les autres pieds, on n'en parlait plus, on n'en parle pas. Mais les siens aussi. Si. Ah si. C'est une phobie. Il paraît, c'est. Si. On peut avoir peur des pieds et de ses pieds, de ses propres pieds. Si, c'est horrible. Bah si, parce qu'on en a besoin quand même. Il y a des drôles de trucs quand même. Si, il y a des drôles de trucs. Bon, alors moi, je me dis que bon, ça va, je suis pas trop... Bon, si, ça va, quoi. Je suis dans la moyenne des gens qui supportent... Ça va, quoi. Bah si. Si. Mais il y a tout, hein. Si. Mais ça doit être embêtant d'avoir peur de ses pieds quand même. Bah si, et puis des pieds des autres, bon. Si. Tu cherches pour moi, Noisette. Ça s'appelle comment les gens qui ont peur des pieds? Si. Je compte sur toi. Si. Alors, pour ce faire, donc, ils sont magnifiques ces pieds-là. Comment on peut avoir peur de pieds comme ça? Moi, je trouve ça magnifique, magnifique. Alors, donc, tu es le pied 37. Alors, tu fais du 36, mais tu seras le PTP 37. Si. 37. Tu notes. Tu notes, Jocelyne. Alors, PTP 37. Ils sont sublimes. Si, sublime, sublime. Je vais les accrocher tout de suite. Hein, non, parce qu'après, sinon, je perds pied. Si. Si, ouais, je sais. Alors, pour ce faire. Et donc, le slip. J'ai toujours hâte de voir vos créations. Si, si. J'ai hâte, mais je fais traîner, vous avez vu? Ouais, je sais, je suis sadique. Ouais, je sais. Ah, je sais. J'adore vous faire du mal. C'est ça. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai, j'ai peur. Si, j'ai peur. C'est pas ma faute quand même. Danger. 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 Frisbee n'est pas touché. Oui, il n'y en a pas encore un qui m'a fait un slip. Ouais, je sais, je vous donne des idées là. Si. Comment on appelle ça là? Les slips armés là. Si. Si. Un slip à. Comment on appelle ça là? Pour que les filles, elles se fassent pas. Qu'elles fassent pas de bêtises avant l'âge. Comment on appelait ça? Un slip à. Vous avez compris, ici à cadenas, là.
Si, j'ai pas encore eu les morpions et j'ai pas encore eu le cadenas, le slip à... Comment on appelle ça? Nom de Dieu. C'est un nom, on disait ça, on disait, t'as mis ton slip... Ah, vous avez compris, quoi, ce que je veux dire. Si, c'est pas ma faute, je perds la mémoire. J'ai perdu la tête. Si. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Danger, frisbee, ne pas toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Non, je sens les conneries. Si, je sens les grosses conneries. Alors, léger, cagnotte, cagnotte bouffe, cagnotte, oh, des conneries. Cagnotte, thalasso, doux rêve. C'est ça, j'adore l'idée, j'adore. Ils sont folles. Ils sont folles. Cagnotte bouffe, léger, c'est ça. Cagnotte, lèche vitrine. Comment elle les a accrochés? Ah non, elle les a pas accrochés, non? Ah si, avec un double face, d'accord. Si, ben je regarde, j'ai droit quand même. Et donc, ça, c'est la cagnotte quoi? Cagnotte, scrap. Ah ben oui, il faut une cagnotte scrap. Smile. Oh, c'est trop bien. Ah, je regarde dans la culotte, j'ai droit. Si. J'ai droit. Si, il y a même une pièce là. Il est trop beau. Si, il est trop beau. Cagnotte thalasso, Douraine. Cagnotte lèche. Je veux dire lèche. Cagnotte lèche vitrine. Non. Cagnotte lèche vitrine. Cagnotte bouffe, je veux dire. Léger. Les conneries. Danger. Frisbee, ne pas toucher. Frisbee. Si, tu veux pas. Reprendre une. Vous avez compris, quoi. Bah, si. Un revers. Si. Elle m'a fait un joli charme. Avec des jolies perles, des jolies breloques, cœurs et tout. Magnifique, magnifique. J'adore. Trop beau. Il est troué, ce clibard. Si, un trou au cul. Si. Fait le trou au cul. Elle est con. Une connerie. J'ai un trou au cul. C'est... comment la chanson? Mon pantalon est décousu, et si ça continue, on verra le trou de mon pantalon est décousu, et si ça continue, on verra le trou de mon pantalon. Je sais, mais c'est fait un trou au cul, c'est quand même pas ma faute, hein. Si, oh les enfants, faut pas écouter, hein. Non, vous n'écoutez pas NJ, hein. Non, bouchez-vous les oreilles. Si, alors pour ce faire, et donc elle a fait des petites pièces. Avec, vous savez, elle a fait des fausses coutures avec un stylo. J'adore. Trop bien. Oh là, une trouque. Non, j'adore. Il y a le trou de balle. Si? Si, c'est un trou de balle. Si, bah si, ça ressemble. Comme si elle avait pris un coup de fusil. Si. Je suis sûre que c'est ça qu'elle a simulé. Si, bah si. Si, bah on tirait au plomb les. Si, bah si. Mais si, la carabine à plomb. Si. Mais si. Alors donc, on en est conneries. J'adore. Donc, pour ce faire. On en est conneries. Oh, des conneries. Alors, tu es. Non, mais. Où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées? Mais où est-ce que vous allez chercher, hein? Non, mais c'est vrai, hein? Non, mais c'est incroyable. Alors, tu es le SM30. 42, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là tout à l'heure? Ah, mais non, le pied. Qu'est-ce qu'on a fait du pied? J'ai fait quoi? J'ai marqué 37, là, je l'ai marqué. Oui, je l'ai marqué, 37. Alors, attends. 37, oui. Alors, tu es le PTP 37. Et tu es le slip 42. Hein, d'accord? Si, tu es... Alors, attends, je note tout de suite, parce que je note, je vais me tromper, sinon. Alors, tu es le 42, je vais le mettre dans cagnotte. Hein? Si, je vais me mettre là. Si, je vais me mettre là, tiens. Non, je vais me mettre où? Je ne sais pas, au trou. Si. Non, je vais le mettre là, tiens. On disait que je mettais là. Si, je mets là. J'ai le droit, de toute façon, je fais ce que je veux sur mon slip. Hein. Bah, si, c'est le mien. Donc, tu es le 42. Hein? Tu es SM42. Tu as ton matricule complet. Si. 42. Tu es complètement matriculé. Si. HHH 116. SM42. PTP 37. Si, tu es ça. Voilà. Voilà. Maintenant, tu es définitivement. Il y a tout. J'ai tout. J'ai tout, j'ai ton slip, j'ai tes pieds, j'ai tes mains. Si. Je veux ton corps, baby. Je veux ton corps, baby. Nani, nani, fais-moi ton corps, baby.
nanana, une femme like you. Vous avez compris quoi, je suis complètement folle. Si. Alors pour ce faire, on va se quitter là-dessus. Hein. Si, on va se quitter sur le PTP, le SM, trou de balle. Si. Les conneries. Et puis c'est bien, hein, c'est bien comme ça. Ouais. Bah si. Si, si. Merci, merci, merci pour tout. J'adore vos idées, j'adore vos délires, j'adore. J'adore continuer comme ça, bah si on rigole, on s'amuse. Bah si on a droit, oh là là, on a droit, on a droit, on a droit. On fait ça, puis c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à la prochaine et dernière ouverture du week-end. Si, hein? Bisous, ciao. Prenez soin de vous, c'est important. Si, c'est important. Je le répète parce que c'est nécessaire de répéter parfois. Si, si. Des fois, un petit peu de. Si, hein? Allez, à bientôt.